Salut tout le monde, c'est Z, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Toute nouvelle vidéo les gars, toute nouvelle vidéo pour vous montrer comment faire pour avoir des belles variantes de personnages. Comme cette variante de Saffronite. En gros, vous voyez que là, à gauche de l'écran, en fait j'ai descendu comme ça, tu vois. Beaucoup en fait. Et quand t'es tout en haut et tu descends comme ça, ça va faire que le... que t'as plus de chance d'avoir des belles tenues en fait, enfin des tenues belles, enfin toutes les tenues sont belles, hein, mais tenues avec des, avec les techniques surtout. Par exemple là, tu vois, je trouve une tenue de Roman Reigns totalement magnifique, je la télécharge et basta. Tu vois, c'est beau, c'est beau. Donc voilà, je l'ai téléchargé. Par exemple là, imaginons je veux Seth Rollins, bah elle est sûrement avec les techniques, hein. Non mais je fais une vidéo. Voilà, alors c'est... Oh, c'est fini, je la prends. Bah ouais, de ouf. Il y en a 4. Une feuille à l'intérieur. Ouais, je sais. Si je peux l'avoir, cette nuit serait magnifique. Ah, dommage. Mais en fait, le bunker, il a créé ça. Je sais pas. Et t'as vu au niveau de ce que... Bon, je les ai mutes. Attends, je peux regarder s'il y avait les techniques. Non, il n'y a pas, c'est dommage. Bon, allez, on va faire encore 2-3 essais. Et après, je vais vous montrer le gameplay, comment ça se passe. Je pense qu'il est mal fait, ce Roman Reigns, un peu. Oh, il est belle, cette tenue. Elle est technique ou pas? Ah, dommage. Dommage. Bon, après, on n'a pas le technique à tous les coups, évidemment. Ce serait trop beau, sinon. C'est, en fait, c'est, ça dépend des créateurs. Et les créateurs... en fait, les créateurs, je vous explique. Il y en a qui le sortent le plus vite possible, mais sans les techniques. Et il y en a d'autres qui les sortent le plus tard possible, mais... Enfin, pas le plus tard possible, mais... Un peu tard. Mais ça donne un beau résultat, quoi. Je suis désolé. Bah, bon, après, je vais faire 2-3 matchs, peut-être. Bah, un match, c'est obligé. Cette nuit, normalement, il n'y a pas les techniques. Ouais. Oh bah là je crois on a fini. J'ai juste regardé encore 2-3 bytes, tu vois. Ah, celle-là. Je la télécharge, allez. On kiffe. Je peux dire parce qu'il y a le pedigree celle-là. Donc on fait plaisir. Et SummerSlam 2000, je ne sais combien. On va descendre un peu. Transformer, non. Voilà, on prend celle-là. Et ce sera tout. Ensuite, on va faire des matchs, des combats. Donc là, j'ai beaucoup plus de superstars téléchargés. Ça fait évidemment, c'est logique. Ne pas éteindre le système PlayStation. Quitter Wariru. Donc les gars, j'ai quand même v'là les bêtes de tenue, quoi. Enfin, j'aurais vraiment aimé que pendant les matchs, t'as les hauts. Mais bon, j'ai une tenue avec un haut, donc c'est vraiment passable, quoi. Mince, je me suis trompé. Parce que j'aime pas le Iron Man, pour ceux qui savent. On va faire un KO match. Dans les arènes de... WrestleMania 32, parce que WrestleMania 32, je crois que je l'ai pris qu'une ou deux fois. Donc là, j'en ai beaucoup, comme vous pouvez le voir. Mais ça, j'ai chargé, mais je sais même pas s'il y a les trucs. Enfin, je sais plus. Donc ça, c'est mes tenues que j'avais avant, tu vois, The Shield. Ça, c'est une tenue réelle, hein. Enfin, genre... genre, toutes les tenues que j'ai, en fait, il y a les techniques avec, en fait. Je sais pas si je prends un Roman Reigns ou si je prends un... un Emerose, enfin un Shield, enfin un Seth Rollins. Allez, je vais prendre cette tenue Seth Rollins parce qu'elle est cool. Ok, il y a la rouge et la et l'autre. Ah mais c'est dingue parce que j'ai pas remarqué qu'il y avait les... Ça c'est des tenues que j'ai téléchargées aussi, tu vois. Bon allez, on va pas faire nos chichis. Attends, j'en ai vu une là. Je sais plus du tout où elle est. Attends, tac. C'est celle-là.
On va prendre celle-là et on va affronter un mec chaud, mais pas un niveau cheaté à la mort aussi, tu vois. Parce qu'il paraît Gol. Alors que là, les deux, ils ont le. Moi, j'aurais dit Goldberg, les 96. Non, 98. La vie. Mais je sais pas en réalité qui je vais affronter. Je vais affronter un mec qui est ici. Bon, allez, je crois que je vais affronter. Ce que j'aime aussi, je l'ai chargé, il a les bonnes techniques. Hein. Non, Roman Reigns, ce serait trop violent. Trop violent. Trop violent pour l'arène. Purée. Si je prends du temps, mais. Vas-y, je vais faire contre John Cena. Pour un mémoire au petit SummerSlam, tu vois. Évidemment, direct, tu veux lui mettre un titre au chipé. Les titres de champion de la WWE, si j'arrive à gagner. Donc c'est un KO match sans règles, les gars. On est à WrestleMania 32. Franchement, je trouve cette arène est ultra magnifique. Ça a fait ressortir le style de les, enfin, des États-Unis. Mais moi, quoi dire ce que vous pensez de cette tenue, parce que moi, je la trouve ultra stylée. Et ça me redonne envie de jouer au jeu. Parce que j'ai toujours envie de jouer au jeu tout le temps, comme avant. Je joue pas au jeu pendant un jour, après, j'ai envie, tu vois. C'est. Je suis comme as. Mais des fois, tu joues, mais. T'as envie de jouer, mais tu te lasses de tout le temps prendre le même personnage et tout. Alors que là, t'aurais des variantes qui ont changé, plein de tenues à découvrir. C'est ouf, c'est ouf, c'est ouf. Regardez le pantalon, il est magnifique, on va pas se mentir, putain. Et déjà ça commence, lui m'envoie un coup de physique le mec. Et face. Faut savoir que le KO match c'est un match que j'ai créé. Hein. Attends, je sais pas s'il a des bons enchaînements par contre. Parce que regardez, technique, voilà, Rip Courtney, tu vois, il a tous les bons trucs. Bouah! On va voir si elle est bonne d'enchaînement. On espère qu'il n'y a juste pas contré. Bah, à un moment, je sais qu'il a un coup de pied retourné. Bon, ça, je crois que c'est dans un enchaînement alterné. Pardon. Donc, c'est pas très grave, quoi. Bon, la rage de Seth Rollins de gagner que tout le monde connaît. Ah! Et la rage de John Cena de tout le temps contrer que tout le monde connaît. Je vais me mettre ici pour tenter un truc. Alors on va voir si c'est un bon. Oh, Springbok! Ah, d'accord. Les gars, ne me demandez pas parce que tout le temps, quand je suis en train de faire des vidéos, même quand je joue sans faire des vidéos, je dis, j'aime tout le temps dire Springbok! Bidule Raoul. Bidule Raoul, c'est. Attends, juste. On va voir. What? Ah, ok. Je crois que le mec il allait faire une roulade ou un truc chelou. Mais non. Qu'est-ce que c'est que d'ailleurs, c'est bon. Mais les gars, moi je redis dans 2K18 que. Purée, c'est on peut pas avoir de. Et ça Rollins qui est passé par-dessus la troisième corde. C'est vrai qu'on peut pas avoir de suicide dive. Mais sinon, j'aurais trouvé ça assez stylé. Qu'il est le truc avec Jay Styles. Oh ouais, lui il est chaud, il y a même des échelles et tout quoi. Bah je garde ma petite chaise. Franchement ils ont ultra bien fait le personnage moi je trouve. What? Ok. Je crois qu'il a pas compris qu'il faut pas se lever en fait. Je crois qu'il a pas compris qu'il faut rester à terre, tu vois ce que je veux dire. Allez, lève-toi.
Karma, OMG, beaucoup Parable. Attends, mais il a cœur stop ou je rêve? Ah non, ok. Ah oui, c'est vrai qu'il le prend, il le lève. Il le fait tourner, coup de genou. Why, nigga? Ok, ça commence. On a fait une Didi souplex. Moi, je appelle ça comme ça, mais perso. Mbouisku. John Cena qui compte le coup de coup. Oh, le Tally Tips. Le contre. Contre. Plex. Bien exécuté. Je galère tout le temps pour faire 10. Ah! J'ai un peu raté. Hein. Je vais essayer d'attendre qu'il se lève. Je vais même faire ça, tu vois. Pour qu'il se lève plus rapidement. Et je vais essayer de faire ma tempête suicidaire. Bouh! Bouh! Ouais, cette tenue est ultra stylée. Sur le fait qu'elle brille là au niveau des jambes. Oh non, moussi. Ah, là il fait l'enchaînement, d'accord. Ok, en fait c'est parce que j'appuie sur la mauvaise touche. Ouah, là je le fais manger mon bail. Attends, c'est quoi son finisher sur le... Est-ce qu'il a finisher sur table? Un finisher sur table. Je suis désolé les commentateurs américains, mais je trouve ça beaucoup plus stylé de faire passer quelqu'un à travers votre table que à travers l'autre vieille table. Bon, allez, on va quand même débarrasser les deux, on sait jamais, on sait jamais. Tu vois, on sait pas si jamais. Et les gars, je me rappelle, j'ai regardé une vidéo où genre c'était un Fatal 4-Way, Samoan Joe, Roman Reigns, Rance Roman. Et Braun Strowman et Brock Lesnar. Brock Lesnar, Samoan Joe, Roman Reigns et Braun Strowman, ouais, vous avez capté. Oh oui. Oh ouais, là je lui fais un truc comme c'était assez violent, on va pas se mentir. It's awesome. Dance, it's awesome. Et en gros, bah c'était mon frère qui avait fait passer Brock Lesnar à travers la table. Brock Lesnar était KO, mais enfin il était pas KO, il était juste un peu assourdi, un peu, tu vois. Mais il s'est relevé, tu vois, je me rappelle. Et après, bah, en fait, Braun Strowman, il a porté la table des commentateurs, il l'a retourné sur Brock Lesnar qui était chaos ce coup-là. Mec, je sais pas si c'est que j'ai pas n'importe quoi là, en fait. Hein. Là, j'ai un point là, tu vois, je vais bien faire le... Mais non, c'est pas ça que je veux. Tu prends, tu mets là... Voilà, c'est bien. Oh mon dieu, qu'est-ce qu'il fait? Je crois qu'il a pas la... Ouah, là je lui mets un de ses genoux par contre. C'est Seth Rollins qui est passé par-dessus la troisième corde John Cena. Le visage indacin. Oh mon dieu, John Cena, qu'est-ce qu'il fait? Il le porte d'une manière assez déconcertante. Seth Rollins qui se dégage. Oh, coup de pied chassé contré. Justin à la droite. Oh. Sous-pourquet contré. Et Seth Rollins qui ne se décourage pas. Le fameux Knai Willis in Unchainment. Oh mon dieu. Qu'est-ce qu'il fait? Le Swinton Swatch. Bien exécuté. Waspon, je trouve que cette tenue est grave stylée. Cena qui a fait passer Seth Rollins. Oh, ouais, laissez tomber. J'ai perdu le fil, mec. Ouah, par contre, là, c'est... Je trouve ça stylé la tache de sang qu'il y a au dos de Rollins. Et coup de pied chassé. Lève-toi.
Oh, super cake. Bon, allez, quand même, claquer la tempête suicidaire, je suis désolée, Sina. Mais je n'ai pas le temps. C'est vrai que je vais passer John Cena en dessous de la troisième corde, Seth Rollins. Il regarde la corde, les idées lui viennent en tête, il y va. Il y va, il n'hésite pas. Et tempête suicidaire. C'est awesome. Tempête suicidaire, c'est-à-dire tempête suicidaire, les gars, rassurez-moi. Pourquoi que je passe pour un trou, hein, parce que... Je sais pas, je vais essayer un truc, je sais pas si c'est possible. Bon, je vais quand même essayer. Comme on dit, qui ne tente rien n'a rien. Oh. C'est Frolin qui prend des risques énormes. Bouah. Alors là, il m'a bien envoyé sur le côté du Wings. Nigga. Double à contrer. Je sais pas si c'est que c'est dangereux de faire ça, nigga. Seth Rollins, des idées en tête. Super kick. And then you, WWE World Champion. Regardez, pendant là, le mec, je l'ai fait subir la puissance du King Player. Regardez la suicidaire, elle était magnifique quand même. David, oui. Allez, vu que je suis méchant. En plus, là, j'ai deux finishers inscrits. Hein. Là, je vais lui casser la tête. Hein. Comment c'est la tête? Je vais changer les comptes. Bouah! Et bouah! Et c'est pas fini. Ah, ok, c'est fini. Bon, allez, les gars. Pour qu'on garde un peu de gameplay, on va refaire un match dans la même arène. Le même type de match, mais pas contre la même personne. Évidemment. Et je vais voir si j'ai mon Golden Roman Reigns. Non, je préfère, j'ai pas envie de faire un build, un blood match. Le mec qui galère. Mieux qu'un KO match comme total. Donc là, j'ai envie de faire le soir. Oh, false monkey. Smoking. Ouah, j'ai même pas téléchargé le gold. Mais je crois que je l'ai pas trouvé, hein, la vie, puisque là. Voilà. À la fin de la vidéo, si j'ai pas la flemme, mais j'oublie pas. Normalement, je vous montrerai un peu d'autres variantes si j'ai le temps, tu vois. And that full way for the high fund. Roman Reigns.
Allez. Bon les gars, j'ai le spear, le swan punch, que... est-ce que j'ai le suicide dive? Oh, sunset dive! J'aime tellement la tenue gold en plus, c'est incroyable. What? Mince, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais pas dû... Clocket. Bon, c'est pas du vrai gold, mais ça passe. Donc si jamais les gars, vous en avez marre de charger des superstars avec la tenue, mais pas le style, bah vous devez tout simplement descendre pas tout en bas, mais quand même descendre pas mal quoi. Oh wake wakes tout ça je... ouh oh. Et bouah, le samouraï est en feu. Allez, on y va doucement, mais sûrement. Aouh! Et... Pouah! Pouah! Oh, Melinda! Oh, Superman Punch! Good night! Et dans le coin... Oh mon Dieu! Spear de Roman... Ah oui, c'est un KO match. Donc, je peux faire des tombées, je dois juste attendre. Qui soit d'ailleurs? Bouah! 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 Bouam, bouam. Sur la troisième corde, le spear de Roman Wings. Ouais. Je kiffe tellement la tenue. Je sais, tu as un catching finish là. Ouais, je le fais avec un Superman punch dans les airs. Awesome. Deus is awesome. Allez, je prends la table. Ouais, la table. And la table. Évidemment, ça marche pas contre lui, ça. Bouah. La plex and the bet. Et Brock Lesnar qui récupère des forces. Je les compte ou pas, je sais pas.
Roman Reigns épuise le Samoan sur la troisième corde. Il y va. Oh mon dieu, c'est trop dangereux ce qu'il fait. C'est trop dangereux ce qu'il fait. Oh my god, oh my god. Oh oui, les Plex. What a blank. Not where he wants to be right now. Yeah, you're not gonna win many matches when you're down. Les coups de batte de Kendo ratés. La reprise à la Kendo, le coup. Superman Punch, good night. J'ai pas envie de faire la Smash parce que dans Dior l'a déjà fait, tu vois, donc je vais pas me casser la tête à vouloir faire. Oh, il m'a contré. Oh purée, j'aurais même pas dû regarder d'endroit dans les yeux. C'était bien réaliste. Hein. F5 Paul Dao, bien exécuté. Roman. Attends, j'ai un truc que je dois regarder. Donc, je vais mettre sur la table, ok. En disant, il a voulu faire la maligne, il n'y a pas de souci. Il a bien voulu faire la maline. Maintenant, faut qu'il assume. Il va regretter, je te jure. C'est tellement me dire ce bug. C'est quoi là? Là quand même, on peut dire qu'il m'a mis un beaucoup. Non. Bouh. Ah. Je fais des bails comme Asaki. Hein. J'étais contré, mec. Prends pas la confiance. Je sais pas, le mec, il a pris la confiance d'un coup comme ça. Je sais pas, il s'est pris pour qui. Mais t'es personne. Je suis désolé, c'est pas ce que je voulais faire, mais. Comme on dit chez moi, Spear de Roman Reigns. Donc là, j'ai. Wouah, non, les gars là, je lui ai mis un spear à travers. Non, mais les types là sont résistants dans le jeu, quoi. Bouh, ok, il a eu de la chance et tout.
Gallium, gallium, gallium. J'ai les 600 000 abonnés. Galéa, Galéa. Ouah, ça doit bien niquer ce truc, hein. Galéa, 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 oui. J'ai 600 000 abonnés. Voilà, je lui dégaine un de ces Superman Punch. Hein. Oh, là, c'est The Tiger Superman Punch. Non, mais là, il était violent. On va pas se mentir, le Superman Punch. Putain, mais il force. Moi, je veux pas l'amener là. Je suis en train de le faire tourner en secret. Oh, pyromane. Ah ouais. Toi, tu prends les kendo. Toi, tu prends les kendo des gens maintenant. Les screws. Plus, non, mais le mec, il a fumé aussi. Il passe à travers deux bords. Yeah. Non, mais le mec, il est... Le mec il est invincible, je sais pas, dites-le moi. Parce que moi j'en ai marre aussi, le mec je lui claque tout et n'importe quoi, il résiste. J'ai les 600 000 abonnés. Pour le mec, je lui claque un Superman Punch. Là, si tu me dis, il résiste. Non, là, j'ai pas le gars, j'ai envie de lui claquer ça. Parce que là, c'est douloureux aussi, on va pas se mentir. Christ on fight on up. Mais le mec, il est toujours en live, mais putain. Attends, mais le mec, c'est un monstre. Monster. Wolfis. Wow, t'es man. Non mais le mec c'est un monstre, le mec il résiste à tout, wesh. Bon, là je suis désolé, mais j'en ai marre quoi. Faut que ça cesse, je te jure, faut que ça cesse. Le mec je le claque, il respire à travers des barrières. Oh, Willings! On va prendre l'entrée, quoi. Il est pas très travaillé. C'est pas grave. Regarde, Superman Punch! Non, attends, je sais pas, c'est tout. Là, on va regarder comment le mec il exprime sa joie. And the new WWE Universal Champion. Oh my god! Oh my god! Ouais, tu fais quoi là? Ouais, je fais quoi là? Attends, il est sûr, ok. Mais moi, je suis là, je suis présent, je viens en fight. Ouh, oh. Oh, il m'a contré, choqué. Putain, mais il fait genre le mec. C'est tout ce que tu pues, t'es moche. Tu pues, j'ai dit. Mince. Parce que le mec il se relève déjà, donc. Good night! Le samouraï est là! Le samouraï est là, ma gueule! Tes mains, le biceps! Le biceps! Allez les gars, je vais pas faire le radin, je vais quand même vous donner un... On va quand même faire quelques recherches sur d'autres personnages. Des personnages que je prends souvent. Bon, Kevin, non, je ne prends pas souvent, mais j'aimerais bien regarder. Parce que je sais qu'il a des variantes quand même pas mal, je crois. Allez, on va regarder. Création, téléchargement. Donc déjà, on va regarder Brock Lesnar, même si je le prends quasiment jamais. Jamais du mal, tu vois, parce que Brock Lesnar c'est quand même une des hand and new WWE World Champion. Oh, il est cheaté, Brock Lesnar, quoi. Mais où Brock Lesnar? Ok, Brock.
chercher. Der Paul Lesnar, ok. Non, j'ai trop la flemme de regarder les premiers, donc je vais directement descendre vers les plus intéressants. Aperçu, ma gueule. Il faut que la tenue elle change aussi, puisque sinon c'est de la haine quoi. Ah, celui-là peut-être il est bien. Ouais, bah ouais, j'avais raison. Il est pas bien. Oh, il y a un Gold Rings, mais ça doit qu'il est Samoan Driver. Ouais, c'est un driver le Rings. Franchement, les snares comme ça avec des bonnes techniques, ce serait d'art, mais évidemment. Je rêvais. Oh, franchement, si j'en trouve pas, quoi, je vais pas me casser la tête à chercher sa mère la WAP. Oh la malade, Goku Ultra Instant, mais putain, il doit rien respecter. Ah là, c'est intéressant, mais enfin, en réalité, je vais changer. Allez, on va regarder pour OMS. Vous êtes chaud, vas-y, pour OMS. Donc fight anonyme, ça je m'en DLC. K.O. J'ai une tenue vraiment stylée en fait. Je veux pas une tenue ordinaire. Parce que pour l'instant, j'ai vu que des tenues ordinaires. Hey next year hotels? No. Boko Paro. Magadatsu. Ah, il a l'air d'harceler. Évidemment, c'était un prank. Universal Scowling, je sais pas quoi. Au moins une forme. Tu sais quoi, j'ai la flemme. Je vais juste regarder celle-là. Ouais, évidemment. Attends, mais si j'ai juste trouvé une bonne tenue, quoi. Bah, je crois que c'est tout hein, comme personnage. Allez. Faut juste regarder Jim Ambrose. Mais... Jim Ambrose, j'ai déjà regardé. Je sais qu'il a des trucs pas très stylés, quoi. Parce que Jim Ambrose, on va pas se mentir qu'il est assez simple. Mais bon, des tenues comme ça, tu vois, j'adhère totalement. Franchement, des tenues avec des hauts comme ça, quoi, moi, j'adhère à mort. Il a shield comme ça. Évidemment, c'était un prank. Il a celle-là. Ok, d'accord. Superman. Oh, si celle-là, il y a les techniques. Mais évidemment. Putain de merde. On m'a dit je remonte au Seth Rollins. Quand même si le tenir, je crois même pas que je l'aurais pris. Voilà. Ah, je vais regarder celle-là. Voilà. Bon allez, je regarde encore 2-3 variantes et s'il y en a aucune qui est bien. Bah c'est la Casa de Papel. J'ai dit la papel des casas. Allez. Pitché. Butterfly Play Driver. Ouais, non. Bah c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Je vais encore faire des combats et tout. Et rejoignez la Z Team. Salut.